Bonjour à tous, bonjour Noam. Bonjour Isaac. Qu'est-ce que tu lis ? Alors je lis le livre La cachette du soldat de Bernard Gallon. Peux-tu nous expliquer ce que raconte ce livre ? Il raconte qu'un soldat se fait poursuivre depuis que la guerre est terminée. Puis deux jeunes enfants l'aident à se cacher pour ne pas qu'il se fasse capturer. As-tu aimé cette histoire ? Oui. Pourquoi ? J'ai bien aimé cette histoire car il y a du suspense et on parle de la guerre. Du coup, je m'intéresse à l'histoire française. Qu'y a-t-il de particulier dans ce livre ? Il le raconte d'une manière incroyable, comme si on était en face de lui. Puis l'écriture aussi est bien faite. Choisis un passage qui t'a marqué dans le livre et lis-le-nous. Le passage que j'ai choisi se situe à la page 34 du livre. Je me suis dit qu'en échange de quelques petits services, elle me laisserait dormir dans sa maison et ne me dénoncerait pas. Oui, renchérit Mariette. La vieille Marthe est connue dans toute la ville. Elle ne se cache pas de détester l'empereur. On la voit assise devant sa porte, levant haut sa canne et jurant en passant que tout cela, bientôt, finira mal. Pourquoi as-tu choisi ce passage ? Car on voit un peu ce qu'il va se passer dans la suite du livre. Recommanderais-tu ce livre à tes camarades ? Oui. Peux-tu nous expliquer pourquoi ? Je vous recommande ce livre car il n'est pas trop long. Ça pourrait beaucoup vous intéresser pour ceux qui aiment bien le suspense. Thank you.